Kiko tout le monde, Kimoumani ici. Une petite vidéo sur Evo Winter. Si j'ai, ça va trois fois que je dois refaire cette vidéo, tout simplement parce que mon chien, je sais pas ce que lui prend. Il aboie comme un fou. Or, y a personne qui essaie de me défoncer la porte ni rien. Alors, je sais pas pourquoi. Sans doute parce qu'il y a un chat quelque part. Ah. Bon, il y a eu un nouveau système de subli sur PC. Nous, normalement, après ce que j'ai compris via un tweet pour les consoles, c'est dans 2 mois, quelque chose comme ça. Je me suis renseigné un peu partout, hein, mais comme je dis sur mes infos, les tweets, ce qu'on me dit, les forums et tout ça. Bon, moi, je ne l'ai pas essayé. Hein, comme je dis, mon PC, à l'époque, était assez fort pour jouer à Neverwinter. Après, il m'a dit blip, 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 blip. il s'éteint tout seul. Alors, je dis, je n'ai pas le matériel de pro, hein. Mais, les gens sont pour et les gens sont contre. Les gens, je vais commencer par les gens qui sont contre. C'est des gros joueurs. Ils disent que c'est une arnaque phénoménale. Okay. Comme je dis, je peux pas l'essayer. Hein. Et aller voir sur YouTube, d'accord. Mais... c'est pas la même chose en réalité. C'est pas, tu n'as pas ton expérience personnelle. Tu as l'expérience de quelqu'un d'autre. Et par exemple, moi, peut-être, je vais peut-être aimer. Qui sait? Les gens qui sont pour, ce sont les petits joueurs. Qui est normal. Hein? Les petits joueurs, ils sont contents et tout ça, c'est logique. Il y a quelqu'un, j'avais vu un tweet sur un tweet dessus. Et c'est quelqu'un lui dit, pourquoi est-ce qu'on privilégie toujours les petits joueurs? Pourquoi on ne privilégie plus les gros joueurs? Moi, personnellement, quand je dis gros joueurs, c'est à partir de 10 000 GS. Hmm? Parce que là, on commence à vraiment à savoir jouer son perso si on ne l'achète pas directement. Là, on commence à connaître son perso, ses limites, on aime bien, on sait plus ou moins ce qu'on veut. Ça, bon, si vous êtes comme moi et que vous changez tous les jours, bon, toutes les semaines plutôt. Hein? Et dans une manière, quand j'ai lu ces commentaires... certes, il y a beaucoup de gros joueurs qui disaient pourquoi c'est toujours pour les petits. De toute manière, c'est normal que c'est toujours pour les petits. Parce qu'ils viennent justement d'arriver sur le jeu. Et ce que je vois souvent, quel est le moyen le plus rapide? Il y a une manière, rapide. Achetez déjà le truc 70, quand vous êtes tranquille, vous arrêtez de vous plaindre. Bon, arrêtez, vous plaignez pas, vous posez la question. Il n'y a pas de moyen. Si vous commencez tout de suite le jeu à zéro... ouais, je crois que c'est niveau 4 qu'on commence. Il n'y a pas un moyen rapide. Il n'y en a pas. Vous allez galérer comme nous. Hein? Et même quand on arrive à un certain GS, vous allez encore galérer comme nous. Et là, partir de, pour moi, les 10 000 GS, commencez à comprendre le jeu. Okay? Je vois aussi, pour le double subli, il y a beaucoup de gens qui râlent. C'est une grosse arnaque. Je peux comprendre. Et qu'on peut pas comprendre. Quand vous avez des artefacts, ou des ruines, ou des pierres, ou quoi qu'est-ce comment, petit niveau, c'est agréable. Quand vous essayez de passer une artefact, je prends l'exemple de mon Orcus, légendaire, mythique, vous êtes à 45, vous prenez, parce que je l'ai les lingots, 99 ruines. Et vous rêvez pas, vous avez passé que 55. Oui, là, il y a une grosse arnaque. Mais bon. C'est comme aussi, Neverwinter avait proposé un tweet et j'avais en parlé avant. Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir comme événement, nouveau événement dans Neverwinter? Bon, vous allez arrêter de me montrer tous vos coffres-forts, là, c'est bon. Ah voilà, encore un. Et voilà, je te parie qu'il était niveau 60, toi. Ah bah voilà. Je peux pas dégager ça en fait. Come on, allez. C'est bon. Les événements, je suis un peu d'accord que j'aimerais bien qu'ils changent un peu, quelque chose de nouveau. Mais quelque chose qui vise les gros JS, s'il vous plaît. Hein? Je sais qu'à Neverwinter, ils sont, entre guillemets, mais je veux pas dire qu'ils sont fous un peu de leurs joueurs, mais... j'ai l'impression qu'il coûte que le moment qu'il peut garder, prendre de l'argent. Hein? Changer un peu pour nous.
Ok, l'appel d'armes, c'est bien, c'est chouette. Et tout? Pour les petits joueurs, les enchantements qui tombent, tout comme ça, ils gardent tout pour le double subi, ça c'est génial. Hein, vous essayez de passer quelque chose qui est déjà un bas niveau, c'est génial. Par contre, pour nous, ça vaut rien. On le fait quoi, 3, 4 fois? C'est tout. Faites un événement peut-être pour nous. Hein? Ça nous ferait peut-être plaisir, hein. Pensez un peu aux gros joueurs. Allô? Hein? Ok? Je me considère pas 100% un gros joueur, hein, mais quand même. Un petit challenge. Hein? C'est comme on aimerait bien voir. Bon, moi surtout. Surtout moi. J'aimerais bien que vous ajoutiez un petit jonjon en plus, hein. Hein, lieu de. Tu vois, dans le côté Cassel et Twirn, hein. Quelque chose en plus, hein. Je suis d'accord qu'il y a des nouveaux. Dès qu'il y a une nouvelle campagne, il y a un nouveau donjon. Un gros donjon. Déjà, il faut essayer de trouver des joueurs qui voudraient bien le faire et qui savent comment il faut le faire. Parce que quand tu essaies de prendre un FBI en pick-up, tu l'as royal. Tu l'as pas. Hein? Quand tu passes une heure à chercher un donjon, même si c'est un Twirn, il y a des limites. Pour ça, une des raisons pourquoi ces derniers temps, je fais un peu moins de vidéos sur Neverwinter, tout simplement. C'est parce que j'arrive pas à trouver des donjons. Hein? Vos systèmes de JS aussi dans les donjons, je suis désolée. Un loup gris, 800, 8400 de JS. Montrez-moi un tank qui arrive à tenir le coup, hein. Même chose avec un Orcus, hein. Parce que j'en connais pas des masses, hein. C'est moi aussi un bon heal, hein. Mais si vous avez tout un groupe CGS là, tout l'oublie, hein. Hein, ok? Mais tiens, quand je regarde, ça, il n'y a pas grand monde qui le fait. Changez! Mettez un petit donjon en plus. Ah, bah j'ai 200 GS en plus, là. Oh, ok. Faudrait que j'aille regarder ça. Mettez quelque chose en plus, là. Par pitié! Hein? Allez, quoi! Quelque chose de nouveau ici aussi. Hein? Parce que c'est... Ok, j'avoue, j'ai pas encore fait ces deux-là. Hein, bah, le PVP, comme j'ai fait des vidéos. Mais... C'est bien beau d'avoir mis FBI. Match Pest. Et vous voyez que je l'ai pas encore... Oui, ok. Bah, déjà, 99% de temps, les gens demandent pour le British Rock minimum 14G. 1GS. Alors, votre 11GS, j'ai quand même du mal à le croire, mais bon. Hein? Ça, j'ai pas encore essayé. Hein? Mais, pour les petits joueurs qui viennent justement d'arriver, à limite, on va dire, à 8000 de GS, mettez quelque chose d'autre ici, pour eux. Hein? Parce que le tour de Valandra, c'est bon. L'Oathsmote, ouais, c'est vu, revu et trop vu. Mettez quelque chose de nouveau, là, par pitié. Hein? C'est bon, quoi. S'il vous plaît. Faites quelque chose pour nous, les gros joueurs. Les joueurs qui sont dessus votre jeu depuis 2 ans, et même voire plus. S'il vous plaît, parce que... C'est long. Ok? Comme j'ai dit, j'adore votre jeu, il est génial, il est complet, mais allez, quoi. Et c'est quoi votre truc de promotion, là, à 40% pour le week-end de Black Friday, ou... En cours, les Zen... Ah, ouais, Zen! Ah, oh, c'est bien, Zen! Pouvez pas dire que c'est à partir d'aujourd'hui, parce que ça fait une semaine que c'est comme ça! Depuis le store, depuis que Xbox lui-même, Xbox Store a mis ses promos. C'est comme ça. Alors, pas la peine de l'afficher maintenant, hein. Les joueurs sur console le savent déjà. À PlayStation, je sais pas. Mais nous, on le sait déjà, hein. Et vraiment, juste pour des zen, tu savais pas faire autre chose?
Je sais pas moi, un truc spécial pour aller dans l'hôtel de vente? Hein? Qu'on puisse acheter quelque chose? Attends, est-ce qu'il y a, il y a des pourcentages là-dedans? Avez-vous des Non, même pas. Même là, il n'y a rien. Vraiment? Que pour les zen. Que les zen. C'est tout. Les zen. Ouais. Or. Ouais. Pour les gros joueurs, s'il vous plaît, faites quelque chose. Allez. Bisous, bisous. Kikou tout le monde, je suis de retour, c'est... Je suis allé dans le Zen Market, là. J'ai pas acheté de Zen, hein, comme vous voyez, zéro. Vraiment? C'est tout? C'est tout? C'est tout ce qu'on a? C'est le double subli! C'est un double subli, vous voulez pas me dire que vous pouvez pas mettre un seau? Au dessous? Aux trois rubis? Non. Un sac. Vraiment. Ça me sert à quoi? À moi? Ça me sert à quoi? Pour moi. Allez. Dites le moi, Neverwinter. À quoi ça me sert? J'ai déjà mes sacs. Je sais plus mettre des sacs. Il me sert à quoi, mon truc gratuit, là? Hein? Le pire. Je le prends. Est-ce qu'il est lié au compte? Et en plus, il est lié au compte. Juste... Ah bah voilà. Je me retrouve tout le temps. Est-ce qu'il est lié au compte ou lié au personnel? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où mon sac maintenant? Aucune idée. Hein? Mes sacs sont remplis. Hein. Là. Il est au compte. Je peux même pas le vendre. En sachant que presque toutes mes autres persos, à part le mage, étaient... Ouais, peut-être pour le mage. Mais va savoir est-ce que je vais l'avoir gratuit avec mon mage. Bah allez, quoi, c'est une double subli pour le moment. Mettez quelque chose d'autre intéressant, hein, qu'un sac. Parce que nous, si maintenant t'es un gros joueur et t'as qu'un seul perso, tu fais comment avec ton sac? Ah bah tu l'as là. Voilà, basta. Ah!